Rio Higgins, gardien remplaçant numéro 40, Ken Bonneville, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc. Les arbitres de la rencontre, arbitre assistant Fabien de Chepig, assisté de Julien Aube de Brice. Je vous souhaite à nouveau une excellente soirée, un excellent match à tous et à toutes, amis supporters, supportistes que vous avez rejoints ce soir à l'occasion de la 16e journée de la Ligue 1 Gorica. Et on vous rappelle qu'on vous attend également le mercredi 11 janvier à 19h pour la réception de l'ASCA. Au stade Francis Delay, match aura lieu à 19h. On vous le rappelle, mercredi 11 janvier, emparez-vous dès maintenant de vos places sur la officielle du Stade Brest 29 et sur les réseaux officiels. N'hésitez pas à venir nombreux et nombreux comme ce soir dans cet événement Brest-Lille. Ça sera le mercredi 11 janvier ici à 19h. Le Stade Francis Delay, on compte sur vous. Les joueurs comptent sur vous pour cet événement du début de l'année 2023. On vous souhaite à nouveau à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année de la part de l'ensemble des dirigeants du Stade Brest 29 de Lyon et l'ensemble des dirigeants du Stade Brest 29 souhaitant de belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, rendez-vous le mercredi 11 janvier pour la réception de l'OSC à 19h ici, au Stade Francis Delay. On vous souhaite à nouveau une excellente soirée, la bienvenue au Stade Francis Delay. Le stade sera plein ce soir et il est l'heure maintenant de mettre en lumière l'incroyable parcours de notre espoir. Achraf Jarry avec le Maroc durant la Coupe du Monde, en terminant en premier de leur poule devant la Croatie, la Belgique et le Canada. Les Lions d'Alsace ont éliminé consécutivement l'Espagne en 8e de finale, puis le Portugal en quart de finale.